Salut, c'est Jean-Rivière. Aujourd'hui, on va parler du personnage le plus controversé là, de ces dernières semaines, duquel tout le monde parle, qui est Andrew Tate. Alors, si tu en as pas entendu parler, probablement t'as pas dû te connecter beaucoup à Internet ces dernières semaines. Euh, c'est un influenceur, alors je vais te le situer un petit peu, hein. je vais te montrer quelques tweets, les tweets qui ont fait, euh, qui ont fait un peu du bruit ces dernières semaines, et euh, qui s'est fait arrêter, donc Andrew Tate, tu le sais, s'est fait arrêter, euh, enfin si tu as suivi un peu ça, ici en Roumanie, alors c'est toute une histoire, maintenant tout le monde a un avis sur la chose, et on m'a posé pas mal de fois la question qu'est-ce que je pense d'Andrew Tate Et surtout, au-delà d'Andrew Tate, qu'est-ce que je pense de ce genre de créateur Alors, pour te situer un peu euh, de qui on parle, je vais te partager mon écran et j'ai quelques captures d'écran de tweets ici. Donc, le premier, c'est celui-là euh, Vous êtes pauvre, vous n'êtes pas important, les hommes n'ont pas peur de vous, vos femmes ou ta femme euh, n'est pas d'accord avec toi, vos vies sont de la merde. Si j'étais forcé d'endurer une année de votre vie, ça serait le pire niveau de dépression imaginable, voilà donc comme tu vois on n'est pas dans la bienveillance absolue euh, le tweet euh, juste avant qu'il qu se fasse arrêter euh, donc qu'il a envoyé à Greta Thunberg donc l'activiste écologiste euh, que tu connais probablement, enfin dont tu connais le nom euh, à qui il a envoyé j'ai 33 voitures ma Bugatti a tel moteur mes deux Ferrari euh, ont tel moteur ce n'est que le début, s'il te plaît donne moi ton adresse email pour que je puisse t'envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions carbone respectives voilà et puis derrière on a des gens qui sont complètement gouroutisés, il faut dire le mot avec des réponses de ce type là si Andrew tête pense je suis d'accord si Andrew tête parle j'écoute, si Andrew tête, Commande, j'obéis. Si Andrew a un million de fans, je suis l'un d'entre eux. Si Andrew est a un fan, je suis ce fan. Si Andrew est a zéro fan, je suis mort. Et ça, ça a été aimé par plus de 8000 personnes. Alors, on voit de plus en plus d'influenceurs euh, ces temps-ci qui, qui ont un peu cette attitude, l'attitude un peu ronde dedans, sûre de soi, etc. Euh, moi, je ne voudrais pas te... Tu vois, je ne connais pas la vie d'Andrew Tate, euh, je ne suis pas un spécialiste de tous les problèmes, je sais pas, là, il est en plein euh, problème bizarre avec des machins bizarres et tout. Euh, simplement, moi, ce que je peux te dire, parce que moi, je m'appelle euh, Jean-Rivière, tu me connais peut-être, euh, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web, j'ai créé plus de 400 formations en ligne, donc j'ai pu en voir passer des créateurs, des formateur, parce qu'on parle d'un formateur en l'occurrence qui a d'ailleurs une offre à abonnement euh, sur un modèle qui est très intelligent d'ailleurs, parce que tu sais que Andrew Tate s'est fait bannir de, de, de YouTube et il s'est fait bannir d'à peu près partout sauf de Twitter, enfin il s'est fait bannir et puis Elon Musk l'a remis euh, euh, sur YouTube en fait il, il, il est imbannissable, ça qui est rigolo c'est qu'il a un programme donc, de formation euh, sur des trucs, euh, voilà enfin les trucs desquels il parle et puis euh, bah, euh, ce qu'il y a c'est qu'il y a une affiliation dessus donc les gens peuvent gagner euh, d'une petite somme, si tu veux, si il, les gens passent par leur lien pour euh, devenir membre de son programme. Et donc, du coup, même s'il est plus sur YouTube, s'il a plus de chaînes ses contenus sont repostés par des milliers et des milliers et des milliers de comptes différents qui sont ses fans ou qui sont des affiliés, qui veulent bah, soit parler de lui parce qu'ils sont convaincus des choses desquelles il parle, c'est-à-dire des idées, des choses, etc., soit... Euh, parce qu'ils veulent gagner de l'argent avec son affiliation. Donc il est devenu imbannissable. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de créateurs, de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, qui ont cette attitude-là. L'attitude, attitude, euh, tu vois, pas forcément, c'est pas des intellectuels, on va dire, pour dire les choses, euh, les choses euh, <laughs> voilà, de, de façon évidente, mais ce sont des gens qui osent et qui osent tout et qui osent bien davantage que... Euh, bah, je sais pas, que probablement, toi et moi réunis, que la plupart de la Terre entière, enfin, je veux dire, si tout le monde osait comme ça, la vie ne serait pas probablement pas vraiment agréable... Parce qu'on serait toujours dans le conflit permanent et tout. Maintenant, euh, ce qu'il y a qui est important, on avait eu une discussion d'ailleurs là-dessus avec des membres de Web Marketing Junkie, c'est que euh, le type de personnalité d'Andrew Tate, il n'y a pas que lui, ça correspond à un type de personnalité. Ce type de personnalité, il est effectivement surreprésenté dans nos métiers à nous, c'est-à-dire dans les métiers de créateurs. Tu en vois beaucoup parmi les formateurs, parmi les influenceurs qui sont pas aussi à fond qu'Andrew Tate, mais qui ont finalement cette attitude-là, c'est-à-dire on en connaît tous des gens d'ailleurs pour qui ça fonctionne très bien, qui sont souvent parmi ceux qui font le plus de vues, quelle que soit la thématique, euh, qui sont des personnes qui sont pas forcément, c'est-à-dire que leur message finalement est souvent pauvre, pas toujours, hein, mais souvent pauvre, parce que c'est pas le message, c'est pas les méthodes qu'ils enseignent, c'est pas, tu vois, tu pourrais trouver les mêmes méthodes en lisant le dos de couverture d'un bouquin, enfin ça tiendrait souvent en trois lignes, mais ils ont cette force de caractère qui est liée à un gros ego, c'est-à-dire souvent des personnalités qui vont être narcissiques on retrouve la même chose chez plein moi sans avoir besoin de donner mon avis sur ces personnes, chacun a son avis et c'est l'avis de chacun mais des gens comme par exemple Donald Trump ou d'autres euh, ont le même type de personnalité c'est à dire qu'on peut pas dire que ce sont des grands philosophes mais étant donné qu'ils ont cette assurance qui vient bah, de cet ego ou de cette confiance en eux qui est démesurée, euh, bah, les gens ont envie de les suivre parce que ça les rassure alors je te dis pas que c'est bien ou pas bien parmi ces créateurs là, parmi ces personnalités là, il y en a qui ont un message positif et puis il y en a d'autres qui ont forcément un message toxique, mais ça c'est complètement indépendant de leur personnalité. Tu peux voir chez une personne qui a une personnalité plus stable, plus normale on va dire aussi bien de la même façon des créateurs avec lesquels on va être d'accord et d'autres avec lesquels on ne va pas être d'accord. Moi, c'est plutôt le phénomène qui m'intéresse et c'est de ça que je voudrais parler dans cette vidéo. Alors, avant de continuer, si ça t'intéresse, moi, tu sais que ça fait euh, maintenant des mois et des mois et des mois que je crée une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie, c'est dans la description. C'est une communauté d'entrepreneurs, de personnes qui font du business en ligne et il euh, y a toutes sortes de choses, il y a une communauté, il y a les Zooms, il y a tout ça, je t'en parle souvent. Ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est, euh, je vais te le montrer d'ailleurs sur l'ordinateur, c'est que j'ai mis en ligne une leçon, voilà là, tu la vois sur l'écran, une leçon offerte qui s'appelle gagner sa vie avec un abonnement, la méthode. donc, c'est une leçon qui est normalement réservée aux membres payants de web marketing junkie que tu peux recevoir aujourd'hui dans la description entièrement gratuitement. tu vas avoir la méthode exacte pour lancer une, une offre à abonnement et en vivre, les trois choses qu'il faut, pro qu faut proposer dans ton abonnement et pourquoi il ne faut pas y mettre que du contenu. la meilleure méthode de lancement, donc, pour lancer ton abonnement, et beaucoup d'astuces et de stratégies, euh, ça je pense que ça va être bien utile à pas mal de personnes qui euh, justement voudraient vivre plus librement, vivre du web, mais qui n'ont pas envie de créer des formations tout le temps, de créer des produits tout le temps, de faire de la vente tout le temps, juste d'avoir des abonnés et donc de savoir à peu près combien ils vont gagner le mois prochain, d'avoir des revenus simples. Donc n'hésite pas à regarder ça dans la description et on va revenir au vif du sujet. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que, on a sous-estimé la confiance en soi comme facteur de succès. On, je le répète, ce que c'est important. On a sous-estimé la confiance en soi comme facteur de succès, parce que on voit toutes ces personnes, on en voit beaucoup, qui encore une fois, comme Andrew drôlete, comme d'autres, etc., ont ce type de personnalité qui ne présage pas de leurs compétences. C'est-à-dire, on a beaucoup, c'est un trait de personnalité, c'est complètement indépendant des compétences. On peut avoir quelqu'un qui est souvent les plus grands experts. Tu prends euh, quelqu'un qui a écrit une thèse sur un sujet, quelqu'un qui est reconnu dans le milieu scientifique sur un sujet ou euh, dans le milieu universitaire ou académique sur un sujet, c'est souvent pas le type de personnalité qui va faire des vues de l'autre côté sur YouTube et qui va déchaîner Instagram, qui va déchaîner Twitter et les réseaux sociaux. Donc en fait, il y a deux paramètres. Il y a le paramètre qui est ta compétence et il y a le paramètre qui est ta confiance en soi, en toi. Et on l'a vu à de nombreuses reprises que la confiance en soi peut mais donner un résultat phénoménal, donner un succès, apporter un succès phénoménal à des personnes, même qui n'ont aucune compétence. Et que c'est bien difficile pour des gens, même qui ont énormément de compétences, de percer, de se faire voir et de se faire entendre s'ils si n'ont pas confiance en eux. Et c'est l'un des gros problèmes auxquels font face beaucoup de personnes qui débutent sur le web, parce que forcément, c'est très difficile d'avoir confiance en soi quand on n'a pas encore eu de premiers résultats. Quand tu as déjà aidé des milliers de personnes, quand tu as vu les changements que tu as pu amener dans leur vie. C'est facile d'avoir confiance en toi quand tu donnes un conseil aux gens. Quand tu as eu des gros succès en termes de lancement de produits, c'est facile d'avoir confiance en toi quand tu vas lancer un produit supplémentaire ou un produit suivant. Mais quand tu démarres, c'est évidemment difficile parce que tu n'as pas la preuve que tes trucs marchent ou que toi, tu es vraiment bon là-dedans. Et du coup, ça prend du temps et au début, le succès est vraiment souvent, se passe par étapes comme ça, c'est-à-dire qu'un premier petit résultat peut apporter un peu de confiance en toi pour atteindre le suivant. Puis pour atteindre le suivant, tu auras un... Encore plus de confiance en toi et ainsi de suite. Mais il y a des personnes chez qui la confiance en eux est innée et peut même être maladive, c'est-à-dire qu'elle est déréglée. C'est des gens comme on en a peu finalement dans nos vraies vies, c'est-à-dire autour de toi. Je ne sais pas dans ta famille, tes voisins, tes amis, les personnes que tu côtoies. Il y a souvent beaucoup, enfin bien peu de personnes qui ont un gros ego et une confiance en soi démesurée qu'on envoie en ligne en fait. C'est-à-dire que étant donné que ces gens-là attirent le succès en général. Puisqu ils vont rassurer les gens par le fait qu'ils sont vraiment sûrs d'eux, bah, ils vont être forcément surreprésentés parmi ceux qui ont une belle réussite sur le web. Maintenant, ça, veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être comme ça pour réussir. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut se transformer en quelqu'un comme ça pour réussir. Ce que ça veut dire, c'est que premièrement, la confiance en soi, elle est quand même vraiment, vraiment, vraiment importante et que... Euh, bah, on l'a peut-être sous-estimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la confiance en eux, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup, des, beaucoup plus d'efforts sur le fond, c'est-à-dire sur informa les informations qu'ils vont transmettre. Enfin, moi, je suis comme ça, hein, clairement. Parce que moi, pour moi, la valeur que je transmets, c'est l'information, c'est la compétence, c'est les méthodes. Mais effectivement, bah, si tu ignores complètement le travail sur la confiance en soi, c'est-à-dire venir avec un truc, tu as une idée, tu l'as dit. Et même si en fait c'est n'importe quoi, bah regarde, il y a un truc qui est rigolo dans ce métier. Je te dis pas qu'il faut dire n'importe quoi, et je serais le dernier à te dire ça. Et moi, je suis. Voilà, je vois souvent du contenu qui m'énerve parce que justement, on voit des personnes qui arrivent avec un gros égo ultra surdèle et qui racontent n'importe quoi. Et après, quand tu dis, mais non, machin, il a dit n'importe quoi, mais arrête de suivre ça, mais arrête d'écouter ça, c'est n'importe quoi, les gens ne veulent même pas t'entendre. C'est même, ils vont devenir agressifs. Donc voilà, ça sert à rien. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'information, la compétence, la maîtrise d'un sujet, souvent ne suffit pas, même tout le temps, ne suffit pas si on n'a pas confiance en soi. Parce est-ce que la confiance en soi, elle convainc, elle persuade C'est probablement le, la, la meilleure méthode de persuasion, c'est-à-dire la meilleure astuce de persuasion. On parle souvent de toutes sortes d'astuces, de copywriting, de machin, de comment persuader, comment convaincre, des biais, etc. Des... Tout ça, c'est n'importe quoi à côté de la confiance en soi. Je te dis pas que ça marche pas, mais que la confiance en soi, elle est là par rapport à ces techniques qui sont là. Donc c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire d'arriver à aller face à une caméra en étant sûr de toi. Et finalement en t'en foutant complètement, si Jean-Pierre de l'autre côté il n'est pas d'accord, si Céline derrière elle n'est pas d'accord, si machin ça va, euh, voilà, enfin lui il va, il, va, il va partir en vrille quand il va t'entendre parler, non, t'es tellement sûr de toi. Que les gens eux vont devenir sur de sur de ce que tu racontes en fait c'est ça le mécanisme c'est à dire que si tu arrives là en tant que créateur devant ton micro que tu hésites tu dis ouais il y a peut-être ça j'en suis pas sûr et tout machin ouais mais ça j'en suis pas tout à fait convaincu et non tu vois c'est la raison pour laquelle d'ailleurs en copywriting pour revenir au copywriting qui est l'art d'écrire pour convaincre ben, on, on on, on enseigne aux gens de ne surtout pas dire des choses comme je pense, je crois que, peut-être que, non, c'est soit oui, soit non, soit on, soit off, en fait. Alors, effectivement, c'est un truc un peu dommage, parce que ça retire toute la... Bah, tout l Enfin, regarde il y avait une vidéo d'un philosophe je te reparlerai une autre fois peut-être je te la montrerai ou quoi qui s'appelle Klein et qui disait je sais plus son prénom et qui disait que justement aujourd'hui la nuance se perd et en fait il expliquait que la vérité dans la plupart des domaines est nuancée c'est-à-dire que quand tu t'y connais vraiment dans un sujet il y a des sujets sur lesquels tu t'y connais vraiment, que ce soit le jardinage, que ce soit, euh, je sais pas, l'éducation des enfants, que ce soit la cuisine, enfin peu importe. Prends un sujet que tu connais et tu vas voir que les réponses quand tu regardes, elles sont jamais soit blanches, soit noires, soit tout, soit rien. C'est souvent gris. Il y a souvent un peu de ça et un peu de ça. C'est souvent nuancé. La plupart du temps, à hein, 99% des, des, dans 99% des cas. Mais étant donné que, bah, avec la configuration qu'on a sur le web aujourd'hui. Bah que quand on a des opinions qui sont ultra tranchées que ça c'est la vérité que ça c'est le mal que ça c'est le futur et que ça sont nos ennemis les gens vont être beaucoup plus convaincus parce que si t'es en ouais, ah, c'est un peu entre les deux c'est ni ça ni ça les gens, ils ont rien à quoi se raccrocher, tu vois. Ils ont rien qui va valait... les. Voilà. Enfin, tu vois, si toi-même t'as pas confiance en toi, comment eux peuvent avoir confiance en toi Tu vois. Donc ça, c'est le gros problème. Et je trouve que en... le phénomène endroité est intéressant, comme d'autres phénomènes qui sont apparus sur le web récemment, euh, d'autres personnages comme ça, c'est que ça nous montre à quel point, ça nous rappelle à quel point la confiance en soi, le, le fait de voilà, de montrer qu'on a confiance en soi et d'arrêter de d'avancer à tâtons et de, de, de pas oser, etc. Est, est vraiment toxique est vraiment néfaste, tu vois. Beaucoup de gens ont peur qu'en disant, par exemple, n'importe quoi, mais dire n'importe quoi, c'est pas enseigner aux gens des choses fausses. Il y en a qui le font, je te dis pas de faire ça, mais que t'es une phrase qui croche, que t'es une phrase qui est pas parfaite, que t'es, voilà, t'es dit une connerie un jour et tout, finalement, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir envie d'aider les autres, je suis pas sûr ça soit ça soit son but, et puis d'avoir confiance en soi, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que le but, c'est vraiment pas de devenir comme ces personnes-là, parce qu'elles sont allées à un tel extrême, des gens comme Andrew Tate, que souvent, c'est des carrières qui durent pas longtemps. C'est-à-dire, tu l'as remarqué sur le web, à chaque fois que quelqu'un part dans l'extrême total, mais le n'importe quoi intégral, ça dure quelques mois, parfois ça dure quelques années, mais ça dure jamais longtemps. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une carrière de 10 ans, 20 ans, voire plus, enfin, euh, sur le web, plus de 20 ans, il y en a pas beaucoup, mais tu vois, il y en a qui ont commencé avant en écrivant des bouquins, en étant éditorialiste, et qui après sont passés au web. Il y en a très peu, tu vois, qui sont vraiment en mode vraiment à fond, à fond dans l'extrême, en fait. Donc, en fait, le but, c'est pas de devenir comme eux sur le côté extrême, mais c'est peut-être de s'inspirer de ça, ou c'est-à-dire en voyant ces contenus-là, se dire, ouais, en fait, peut-être que moi aussi, il faudrait que j'ai une certaine, tu vois, que je, je vois là, quoi, je sois. J'hésite pas quand je dis un truc, tu vois. Alors, il s'agit pas encore une fois, et je le répète peut-être pour la millième fois dans sa vidéo, de devenir comme Andrew tête. il s'agit pas du tout de raconter des trucs complètement extrêmes euh, qui sont complètement... Euh, voilà, qui, qui ne tiennent plus du tout en compte euh, de, de la modération et du, de, la, de la nuance. Il s'agit simplement de se prendre un peu un... Tu vois un, un coup de projecteur dans la face qui nous dit que il faut arrêter de paniquer parce que notre truc sera pas voilà va choquer machin, va pas intéresser truc, que Jean-Pierre sera pas d'accord parce que c'est justement en paniquant là-dessus qu'on va faire en sorte que notre machin ne marche pas. Voilà. Donc en fait, la confiance en soi et puis aussi avoir un univers qui fait rêver, euh, voilà, euh, qui fait rêver d'une façon ou d'une autre en fait. C'est-à-dire un univers, euh, ça peut être là où tu vis par exemple moi quand j'avais fait mes vidéos en digital nomade et tout bon bah il y avait beaucoup de gens qui voulaient vivre cette vie-là qui regardaient mes vidéos pour ça bon, aujourd'hui je vis plus comme ça il euh, y a des gens qui vont avoir un univers euh, mental qui est fascinant c'est-à-dire la façon dont ils voient le monde on a envie d'être comme eux on a envie de faire partie de leur truc tu vois ce que je veux dire et se trouver quelque chose comme ça ça peut être l'une des clés et associé avec une grosse confiance en soi ça ne veut même pas forcément dire qu'on est comme ça dans la vie de tous les jours faire attention tu sais Dan Kennedy c'est un, un américain euh, qui euh, qui parlait de marketing écrit plein de bouquins sur le marketing et euh, il parlait un jour des, des personnalités publiques comme ça. Il disait « Moi, je ne me prends pas pour Dan Kennedy, tu vois. Moi, je suis Dan Kennedy quand je fais mon boulot, mais à la maison, je ne suis pas Dan Kennedy. » Et euh, ça ne veut pas dire euh, de jouer un jeu d'acteur. Ça veut dire que si tu étais aussi incisif que ça dans ta vie personnelle, je veux dire, quelqu'un comme Andrew T, tu pas envie de travailler avec. Quand tu regardes des gens comme, euh, je ne sais pas, on peut prendre d'autres noms, hein, des gens comme Gary V des gens comme Grande Cardone euh, ouais c'est sympa de regarder ça en ligne quand tu as envie d'être motivé pour les gens qui ont besoin de motivation maintenant vivre avec quelqu'un comme ça travailler dans l'équipe de quelqu'un comme ça c'est un autre délire tu vois et c'est pas pour tout le monde donc l'idée c'est d'être comme ça ou en tout cas d'y de, 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 aller vraiment peut-être dans la caricature quand on, quand on travaille ou en tout cas quand on fait un certain type de contenu et à la maison d'être différent et Dan Kennedy il disait euh, parmi, euh, <laughs> parmi tous ces créateurs il y a probablement qu'Anthony Robbins ça doit être le seul Anthony Robbins qui se prend vraiment pour Anthony Robbins, voilà. Anthony Robbins, c'est un peu le pape du, du développement personnel aux États-Unis. Bref, tout ça, c'est intéressant. Moi je, moi, je me demande ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un commentaire dans la description. Pas sur les idées d'Andrew Tate parce que ça, honnêtement, on n'est pas là pour ça. Euh, voilà, moi, je suis pas là pour débattre de ça. Moi, je suis là pour regarder un phénomène, tu vois. Et parce que moi, mon métier, c'est euh, d'apporter de l'aide aux créateurs du web. Donc, c'est tu vois, ce que je fais tous les jours sur Web Marketing Junkie. Et c'est vrai que souvent, on se pose ce genre de questions quand on voit un phénomène. Comme ça, ou une personnalité comme ça apparaître et puis disparaître souvent aussi rapidement qu'elle est apparue, et il y a souvent des enseignements à en tirer. Voilà, mais surtout pas pour devenir comme ça, parce que voilà, ne deviens pas comme ça, <laughs> je t'en supplie, mais euh, il y en a déjà assez. Mais euh, voilà, se poser des questions sur euh, voilà, est-ce que moi aussi je fais pas, euh, je pourrais pas en tirer des enseignements. Je te retrouve dans la description si tu veux, je te montre ça. Gagner sa vie avec un abonnement, la méthode, c'est une leçon qui est offerte, donc qui normalement est payante, fait partie de, de l'abonnement web marketing jeune. Donc qui est réservé aux membres payants, tu peux y accéder aujourd'hui gratuitement et tu vas avoir la méthode exacte pour lancer une offre à abonnement, les trois choses qu'il faut proposer dans ton abonnement, la meilleure méthode de lancement qui permet de garder les membres plus longtemps sans effort supplémentaire et encore beaucoup d'astuces et stratégies. Tout ça se trouve en dessous et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications si tu veux voir les prochaines vidéos et je te retrouve très bientôt. Merci à toi d'avoir été là avec moi aujourd'hui.